Salut à tous, c'est Anna et aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite partie d'Animal Crossing sur Wii. Même si mes parties sont souvent tournées à la suite, je ne sais pas pourquoi j'ai dit aujourd'hui. Enfin, c'est bien tout ça, mais nous continuons notre petite partie de pêche. Parce qu'il faut un peu pêcher dans la vie, c'est important. Et oui les amis, c'est important la pêche. Ça m'énerve un peu parce que... Enfin... Les poissons sont souvent les mêmes et ça m'énerve. Ils sont souvent les mêmes en hiver, au printemps. En fait, ils changent souvent en été. En été, c'est la saison des requins, des trucs, des machins, des pilules. Alors que toutes les autres saisons, c'est « Oh tiens, je vais attraper une carpe, carpe diem. » Non, je crois que ça c'était sur la DS. Je crois que sur la Wii c'est il te faut une RP. Alors ça c'est sur la... Alors c'est sur la 3DS parce que celle-là... je sais plus si c'est sur la Wii, mais en tout cas sur la 3DS c'est il te faut une RP. Mais la blague est trop forte. Comment ça mes poches sont pleines? Je ne suis pas d'accord avec vous monsieur. Mes poches ne sont pas pleines, c'est juste que mes poches sont presque pleines. Et oui monsieur. Et oui. Bon, il est encore là ce machin. Ouh, je t'ai attrapé. Un dit-tic vaut mieux que dit-tic. Ah, lol. Enfin, maintenant qu'on a eu ce machin, on va plutôt mettre ça là. Comme ça. Par comme ça. Pour enfin faire comme ça. Oui, je sais, c'est un casse-ouïde. Un casse-ouïde, il fait quoi? Quoi? Je vais aller faire une petite tour et, au marchand Tom Nook. Oui, Nook. Le grand Nook. D'ailleurs, hier, j'ai remarqué un petit truc. Son importance. Hein, j'ai remarqué quand même un petit truc. Quand sur la 3DS, il y a un meuble qui est en fait un petit champ de blé. J'ai envie de dire, et donc quand vous marchez dans ce champ de blé, si vous remarquez, si vous regardez très bien, et vous verrez que les blés bougent un petit peu. C'est sans grande importance, hein. C'est toujours sympa les petits détails comme ça. Voir que les détails ont été appréciés. C'est toujours sympathique. Faut que j'aille parler à la borne. Quittez. Il est 14h. Nous voici arrivés à 14h, les amis. Alors, il faut que j'aille au musée maintenant. On va aller faire un tour à la mairie pour voir combien il nous reste. D'abord, on va aller à la mairie pour voir combien il nous reste à rembourser. Parce que je suis curieuse de le savoir, voyez-vous. Alors, rembourser. De votre tête et de 415 000 clochettes. C'est beaucoup. Donc je vais encore revendre un petit peu des fruits, même si c'est une personne, je crois que c'était Chacha Belle. C'est plein que je vendais beaucoup des fruits, mais j'aimerais bien rembourser tout.
prêt assez rapidement. Ce serait sympa, il n'y a pas trop de diversité à faire, j'ai envie de dire. Parce que je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Et du coup, je suis pas allée demander à mon musée mon sexe en fait. Parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part vendre des fruits. Je veux dire, je peux toujours pêcher, mais je vais faire un petit peu plus pêcher. Enfin, là en ce moment, je pêche beaucoup. Et en fait, ce qui serait pas mal, c'est qu'on va se donner un petit truc. Même si j'ai dû déjà me dire que je l'aurais pas respecté du coup, mais c'est pas grave. Genre, on va essayer de rembourser tous les prêts. Tous les prêts, bah, c'est le dernier du coup, on va essayer de rembourser ce prêt avant. On va dire quoi? Avant le 25 juin. Ce serait bien le 25 juin. Parce que 25 juin, c'est mes vacances tout simplement. Mais. Le 25 juin, ce que nous pourrons faire, ce serait des parties le soir. Donc déjà, je pourrais faire des parties en ligne, ce qui est pas mal du tout déjà. Hein. Mais aussi les amis, mais aussi des parties en ligne, mais aussi les amis, enfin bref. Des parties le soir. Et ce qui est bien le soir, l'été, vous savez ce qui est bien le soir, l'été. Ça fait deux fois que je le dis. Et bien, il y a des scarabées sur tous les arbres. Et donc, ce qui est bien avec les scarabées, c'est que on gagne beaucoup d'argent. Et ce que je voudrais faire, c'est que les scarabées, on va les vendre, bien sûr. Enfin, d'abord, on va les donner au musée, après, on va les vendre. Mais on aura donc beaucoup de clochettes. Et ce qui va nous permettre de gagner beaucoup de clochettes. Et ce qui serait bien, c'est de les donner à la donation de la ville. Ce qui pourrait nous permettre de... Ce qui pourrait nous permettre de débloquer des travaux publics. D'avoir une fontaine, un moulin et tout. Et ce qui serait bien, c'est d'avoir débloqué ces travaux avant la fin des grandes vacances. Comme ça, on va assez vite dans le jeu. Ce serait pas mal. Parce que, enfin. Voilà, donc du coup, l'été, vous voyez, il va y avoir beaucoup de diversité, beaucoup de. Il y aura de la pêche. De la pêche, il y aura des feux d'artifice aussi, il y aura des concours d'insectes, ça sera bien. Parce que j'aime bien l'insecto safari, ça changera un peu des concours de pêche habituels. Donc on aura les feux d'artifice, tout. Donc on aura la pêche, l'attrapage. Le scarabée, les parties en ligne, beaucoup de trucs. Enfin, ça fera un peu plus de diversité dans Animal Crossing que maintenant. Et je vous rappelle que ça ne sera pas le seul jeu présent sur ma chaîne. Je ferai aussi d'autres jeux. De Nintendo. Ce ne seront pas les seuls. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui. Je la vois un peu cassée. Pour ceux qui ne sont pas fans d'Animal Crossing, eh bien, il y aura d'autres jeux. D'accord, j'allais dire cool, une fissure, mais non, en fait, non. Enfin, si c'était une fissure. Qui me fait mal.
Donc on va rentrer dans cette maison. C'est toujours bien de connaître mieux ses voisins. Toujours bien de connaître mieux ses voisins. Je t'aime mal à toi. Alors que je lui achète un baume. Un remède plutôt. Limite. Bien, moi, attendez, je réfléchis. Ouais, c'est. Parce qu'en fait, j'aimerais gagner 15 000 justement pour. Avoir juste remboursé en moins 30 000, mais c'est bon. Parce que c'est pas vraiment une partie dédiée aux clochettes, mais. Enfin, une partie un peu. Je sais pas trop quoi. Voilà. Donc, je vais t'acheter un remède, non, toi. Ouais, super à faire, salut. Dina. Je sais même pas pourquoi je suis allée par ici. Je devais aller lui donner ce remède. Je me suis lancée dans la cueillette de fruits, mais continuons. D'ailleurs, je devais faire une partie environnement. Et bien, ce sera pas pour cette fois, apparemment. Hein. Attendez que je réfléchisse. 3 jours pour que les arbres viennent. Ça nous fait donc lundi, mardi, mercredi. Après, est-ce que les arbres viennent mercredi ou jeudi? Je ne sais pas. C'est cette pour ici, j'aimerais la chercher après. Je sais pas s'ils viennent. Ouais, je crois qu'ils reviennent mercredi. S'ils reviennent mercredi, c'est pas mal. Merci, j'espère que je vais guérir vite. Mais oui, je vais guérir vite, mon petit. En fait, je vais continuer jusqu'à la fin de la partie, je commence à vendre des fruits. Alors, je vais faire un petit peu de pêche. Alors, je vais voir les habitants. Tiens, aller voir les autres habitants que j'ai pas vus. Qui j'ai pas vu là. Attendez. Sortons notre plan. Bah, René, déjà, je l'ai pas vue. Je ne crois pas qu'elle soit chez elle. Voilà pourquoi un mégaphone serait intéressant. Bon, René, elle est pas chez elle. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ali, peut-être qu'elle est chez elle. Chez elle d'ailleurs, par le monde. Ouais, c'est le choral de Kéké, ça. Merci.
parce que je l'ai acheté hier sur le machin la CNL. T'es pas bien déjà celle-là, non? En plus, on a encore plein de tenues. Qu'est-ce que je vais t'acheter, moi? Y'a rien, je suis sur des fées qui pourraient t'aller. Bon, ça m'aide pas beaucoup, ça. Voyons voir qui je n'ai pas vu d'offre. Allez, ok, je les ai tous. Ah, tiens, on boutonnerait pas une tenue pour Ali? Toi, tu m'en parles. Bon ben merci, c'est gentil. Hein. D'accord, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Bah, vous savez quoi, qu'à faire ça. Regardez, se mettre à la main comme ça. Magnifique. Madame, ne faites pas son anniversaire. D'accord. Si tu veux un fossile, demande-le plus clairement. Ça va être pas tu as une autre coco cool. J'ai envie de la planter. Tiens, il y a pompon en haut. On va aller la saluer. Tiens, René, tiens, je vais charger le dos. Hey, ça salue. Oh, ça se relance bien. Pourquoi pas? Bon, on va faire une partie de cache-cache. J'espère que je l'ai trouvé assez vite quand même. Je l'ai trouvé déjà cette fois, parce que la dernière fois. La dernière fois, l'équipe Certidas a gagné. Regardez mon joli plafond vert, ferme ça. Je vais toutes vous trouver cette fois-ci. L'équipe Certidas n'aura qu'à bien se tenir. N'importe quoi. Enfin. Donc j'ai 10 minutes pour les trouver. Ça devrait aller normalement. Je fais pas trop de bêtises. Sauf que pour l'instant je n'y trouve pas beaucoup. Parce que quand même, il faut dire que la ville sur la Wii est assez grande. C'est pareil que je vais aller. Mais tu ne fais pas partie de l'équipe Certidas, oui. Je vais te parler quand même. Ok. Très intéressant. Trop intéressant ce que je viens de me raconter. Dans l'équipe Certidas, il y a Gogo,
Monique et René. Je visualise bien les portraits de ceux que je dois chercher. René, je te vois ici. J'ai déjà trouvé une personne de l'équipe Sardinas. Il me reste 7 minutes 43. Vais-je trouver tout le monde? Est-ce que Monique regagnera son titre de championne, de Miss Championne du cache-cache de l'équipe Sertidas? Ou bien cette fois, va-t-elle perdre tous ses moyens? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Et non, j'ai trouvé aussi Gogo, que le grand oncle me croit pour Dieu. On la surnomme l'animal invisible. C'est vrai qu'elle avait déjà gagné une partie de cache-cache contre moi la dernière fois. Mais je pense que je suis plus apte à la chercher. Voyons voir combien de temps me reste-t-il. 6 minutes 42. Ça devrait me suffire pour la trouver. Je te trouverai coûte que coûte, même si on te surnomme dans tout le village l'animal invisible. Je te trouverai. Il reste encore plein d'emplacements. Monique, je visualise bien ton portrait dans ma tête. J'allais dire, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nombre. Non, vite, 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 vite. Un ballon. Bon, je sais que ce n'est pas vraiment l'heure pour les ballons, mais c'est pas grave. Un mesureur, c'était très intéressant. C'est le truc le meilleur, surtout que j'en avais déjà eu un aujourd'hui. N'est pas l'heure de se réjouir pour un truc nul, mais il est l'heure de chercher Monique. L'animal invisible. Tel comme ça. C'est comme ça qu'on la surnomme dans tout le village. Mais je la trouverai coûte que coûte. C'est bizarre cette expression coûte que coûte. Ça veut dire quoi que peu importe ce que ça coûte, je vais la trouver. Monique se trouverait peut-être ici. Les amis, je crois que j'ai trouvé une petite astuce pour le cache-cache. Peut-être qu'il y a un animal caché derrière les arbres, un devant une maison d'habitants et un derrière une maison d'habitants et un derrière un des bâtiments publics, non? Peut-être. Un mini fumoïde tout neuf. Intéressant. Oui, on s'est bien amusé, c'est vrai. Enfin, je dois maintenant aller chercher une petite tenue pour mon ami Alligator. Je sais même pas ce que je vais lui donner. Il y a un intéressant aujourd'hui au survolté. Tiens, c'est peut-être le t-shirt de fer lui irait bien finalement. Hey, je veux ce t-shirt, madame. Je gère la fougère. Bon, le t-shirt fougère, je vais l'essayer sur moi aussi. Magnifique, n'est-ce pas? Enfin, j'espère qu'il ira mieux à lui. Ce serait dommage qu'il lui aille tellement mal qu'elle se sente mal. Enfin. Allons donner ce t-shirt fougère à Alligator. Tiens, il y a des gens qui parlent. Non. C'est Gogo. L'autre jour, j'ai cuisiné de la poulerie. Mais c'était tellement amer que j'en avais mal au ventre.
Mais c'est génial, je pensais même pas qu'on pouvait cuisiner un truc aussi amer. Je veux bien me donner ta recette. En fait, j'avais ajouté quelque chose pour épicer le plat et ça a fini par déraper. Mais attends, ça t'intéresse vraiment? Tu veux connaître la recette, grand-pied? Ben oui, franchement, de la poule au riz amer. Je signe tout de suite. Personne n'irait s'en douter avant de mordre dedans et hop, bien attrapé. J'imagine déjà la tête de mes invités. Tu es vraiment trop cruelle. Bon, d'accord. Plaît-il? Comment? C'est encore toi? Mais qu'est-ce que tu as à me coller comme ça aujourd'hui? Mon salon a déjà servi de modèle d'exposition, tu sais. Il suffit de connaître l'art de la manière d'arranger un intérieur sur un thème donné. Ah, la idée. Moi, tu dois faire des quoi de neuf? Il y a 4 employés qui travaillent à la mairie. A ton avis, qui est le plus populaire? Ophélie, moi je dirais Ophélie. Ophélie, hein? J'ai peur que cette fille finisse par craquer. C'est dur d'être aimable toute la journée. Par contre, je trouve qu'elle en fait trop quand il s'agit de mettre les mains dans sa poche. Ne me dis pas que tu as rien vu. Cette façon qu'elle a de rigoler à ses blagues ringarde, quelle coupée. Ouais, c'est là que je réalise qu'elle a vraiment un air de famille avec Elisabeth. Bah, elle est gentille, moi, Ophélie. Moi, je la trouve très gentille. C'est très gentille. Ça part d'être très gentille. Juste n'importe quoi. Alors, continuons donc. Voyons voir. Tiens, je t'ai acheté un truc. J'espère que ça doit te plaire, hein, parce que. Non, vraiment, ce n'est pas le style auquel je pensais. Je ne peux pas mettre ça dans ma penderie, ce serait un tel manque de classe. C'est pas bien. Ah, pas bien du tout. Bon, je vais lui acheter l'autre en espérant que ça lui plaise. Parce que sinon, je vais pas être convaincue. Je vais lui acheter le t-shirt. Ah, t'aurais pas un t-shirt toi? Bah ils vont dans notre ville. Ils n'ont pas de maison fixe. Ce sont des vagabonds, des vendeurs vagabonds. Comme Renard, tu vois. Il ne faut pas lui faire confiance à lui. Parce que Renard, mince, Renard, c'est pas un vendeur vagabond d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Comme. Voilà. Comme. Sarah, c'est une vendeuse vagabond, mais elle, tu peux lui faire confiance. Sarah est une fille bien. Crois-moi. Bon, allez, dis-moi que tu vas aimer le t-shirt, sinon. Sinon, ça va pas très bien se passer entre nous. Tes vêtements. D'ailleurs, j'aimerais bien ton lit pour qu'on y est. Oh. Allez, il n'y a que ça en au magasin. Tu comprends? Bon, je vais donner une de mes tenues. Et j'irai la recommander après. Elle a intérêt à l'aimer. Bon, allons. Bon, je ne donnerai pas cette tenue parce que c'est celle que je porte. Mais ça lui irait bien quand même. Je vais aller voir chez moi si j'ai pas autre chose qui pourrait mieux lui aller. Quand même, ça fait déjà une demi-heure. Il faudra arrêter la partie après ceci.
Alors, tiens, c'est sympa ici. J'avais oublié comment j'avais agencé ma pièce. Enfin. Alors, uniforme look. T-shirt flammé. Rhinocéros, animaux, typique folklore. Je peux pas la recommander. Juste le t-shirt là, mais j'oublie tout le temps qu'est-ce que c'est. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Bon, bah il n'y a que ça. Alors, s'il n'y a que ça, pour l'instant, je vais porter ça. Et je vais lui donner ma tenue de marin. Si elle aime, tant mieux. Si elle aime pas, tant pis. Je la garderai. D'ailleurs, ça me va très bien cette petite tenue. Ça irait bien avec une queue de cheval. Il faudrait vraiment que je change de coiffure, peut-être me mettre en blonde ou en rouge. D'ailleurs, si vous ne saviez pas, sur Willward, Ginette pouvait nous proposer une coupe à la garçonne. Voilà. Moi, genre, en plus, j'ai dit oui, je me suis retrouvée vraiment une coupe à la garçon qu'elle te propose après. Bon, est-ce que ça te plaît ça? Franchement. Voilà. Merci. Faut que j'aille vendre tout ça. Enfin, faut que j'aille faire plein de trucs. J'ai beaucoup de trucs à faire. Alors attendez. Faudra que j'aille recommander la tenue de ma main. Mais avant ça, combien j'ai d'argent? 21. J'ai donc des petites noix de coco déjà. Donc là déjà on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Espérant que ça me fasse plus de 4000 logites. Ce qui devrait être bon. Pour que je puisse ensuite recommander la tenue de marin et aller rembourser mon petit prêt. Mon prêto, mon prêti, mon prêta. Exactement. Donc on va aller faire ça. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Voilà, je vais aller vite rembourser mon prêt. Et ce sera déjà la fin de cette partie. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui.
pour aujourd'hui, mais on se retrouve plus tard pour une prochaine partie d'Animal Crossing sur Wii. Donc voilà, je vous dis au revoir à tous et à plus tout le monde.